Balazé, ce 27 avril 2015, ce sont les obsèques d'un enfant du pays, Francis Meignery, que l'on célèbre à l'église du village. La présence en nombre de prêtres, de diacres et de leur évêque trahit la condition du défunt, c'était un prêtre diocésain. Nous qui allons prier pour lui, accueille-le dans ta demeure comme un bon et fidèle serviteur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aux côtés des hommes d'église, ils sont nombreux à avoir voulu lui rendre un dernier hommage. Pour ces personnes de tout niveau, de toutes conditions, la rencontre avec Francis a eu une incidence particulière dans le cours de leur vie. Je voudrais, au nom de tous mes frères prêtres, mes frères diacres, au nom du diocèse de Rennes, dire mon amitié et toutes mes condoléances à la famille de Francis. Oui, vous l'avez bien connu, et nous avons tant reçu de lui. Nous pouvons maintenant faire mémoire de la vie et du ministère du Père Francis Meignery. C'est là, à la couefferie, dans la ferme familiale, que Francis a vécu les premières années de sa vie. Oui, mais non, et puis sa sœur, ils ont été très sévères, parce qu'elle était veuve. Il était universel, quoi, parce que tout l'intéressait. Alors c'est pour ça qu'il aurait fait, il était prêtre, il avançait vers là, il avait tout son peuple amené vers le paradis. Il aurait fait autre chose, il aurait été pareil. Je ne sais pas jusqu'où il aurait pu mener ça, tellement il avait de l'énergie et puis une intelligence. Il avait une étincelle dans ce mec-là. Il trouvait toujours la solution, toujours. Ils se sont mariés en 31, donc Francis est né en 32, Thérèse en 33, ou Marie, Louis en 34. Claude en 36 et moi en 44, mais entre-temps, il y a eu trois enfants qui sont décédés, deux à la naissance et un à 2 ans. Et après moi, il y a encore eu un frère qui est mort à 25 ans. Comme il est parti très tôt de la famille, il s'est éloigné en pension de nous à 5 ans. On l'a vu très peu avec nous, que tout petit, on s'amusait sur le vivier, avec la barque, ou faire des bêtises, oui. Des ardoises. Oui, mais oui, parce qu'on bougeait beaucoup. Mais Francis était un dynamique et puis plein de vie. Hein. Ça plaisait aux parents, ça. Papa, il était content, Francis. Il l'encourageait, et puis c'était une lumière, Francis. Il n'y a rien à faire, il était intelligent, tout allait bien, Francis. Les parents étaient vraiment pauvres à ce moment-là, je m'en rappelle. On ne mourrait pas de faim, bien sûr, mais c'était dur. J'entendais des mamans souvent, elles disaient d'ailleurs... c'était dur, quoi, d'élever les enfants et envoyer à l'école, tout ça. Il fallait se priver, quoi. Il faisait toujours du travail entre les cours parce qu'il était volontaire et puis il faisait du dessin et des choses comme ça. Il s'en servait. Oui, oui. Pour des jeunes. Ouais. Mais tout petit, bon, je sais qu'il disait toujours ça, qu'il avait, quand les gens lui demandaient ce qu'il voulait faire, il disait « je serais un prêtre comme mon parrain ». Parce qu'il ne pouvait pas dire prête. C'était son parrain, c'était bien. Oui, comme mon parrain. Il ne prononçait pas les airs à ce moment-là. Pendant ces années de guerre, malgré les restrictions et les risques de bombardement, Francis croque la vie à pleines dents, avec toujours à l'horizon ce projet qui lui tient à cœur, devenir prêtre. École primaire chez les frères de Ploermel à Balazé, puis dès la 6e, le petit séminaire de Château-Giron. Si pour ses frères et sœurs c'est un déchirement de voir partir l'aîné dont la présence riante enthousiasme la maison, pour Francis, c'est avec joie et détermination qu'il démarre son cursus de prêtre. Quelques années plus tard, à la plus grande joie de sa mère, il intègre le grand séminaire de Château-Giron. Seul le service militaire viendra interrompre ce cursus sans histoire qu'il choisit de faire dans le régiment des parachutistes. Moi, ce qui m'avait surpris de Francis, c'est le choix qu'il avait fait de rentrer dans les parachutistes.
Parce que je trouvais à l'époque, nous, moi je fais mon service militaire plutôt dans le régiment de transport, mais je trouvais que Francis était courageux, c'était dans son tempérament, de choisir les parachutistes. Fin 1956, au retour de l'armée, Francis est envoyé au séminaire français de Rome pour y poursuivre ses études. Il n'y restera qu'un an sur les 5 prévus. Son désir d'action est trop fort. Il veut au plus vite prendre la prêtrise. Devant autant d'obstination et de motivation, le cardinal Rock obtempère à la requête de ce séminariste au tempérament impétueux. Dès l'année suivante, il est ordonné à Vitré le 17 novembre 1957. Il est nommé à Mordel, puis 9 mois plus tard, pendant l'été, fait un remplacement à Vitré où il reste finalement 6 ans. Responsable du patronage de l'aurore de Vitré, il conforte ce patron. L'équipe d'un centre aéré trouve des financements. Francis se révèle à lui-même, découvre ses capacités d'entrepreneur et un sens aigu du management. Au catéchisme à Vitré, à Saint-Martin-de-Vitré, et donc c'était pour ma deuxième année de communion. Et donc c'était Francis qui nous faisait le catéchisme. Et ça avait été une évolution par rapport à l'année précédente où c'était vraiment très sévère. Et puis les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et quand Francis est arrivé, c'était complètement différent. Tout le monde était mélangé. On n'était plus dans la chapelle là où tous assis sur les bancs. On était dans une école où tout le monde bougeait. Enfin bon, c'était complètement différent. Et donc Francis venait faire des conférences au collège des filles. Et ça, c'était une première aussi, parce que moi, je n'avais jamais vu avant un prêtre. Oui, oui, sur des sujets divers et variés. Oui, tout à fait. Mais... En 1964, il est nommé aumônier des étudiants. Comme il le dira lui-même, il est tombé de haut. Il troque alors son complet strict et sa cravate contre un jean et un pull-over. Auprès de ses étudiants, il reçoit de plein fouet le questionnement existentiel des hommes de son temps et tente de répondre avec ce qu'il est, plus qu'avec ce qu'on lui a appris. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Paul Bosplatière, tout juste arrivé à Rennes pour prendre un poste de journaliste à Ouest-France. Ne faire que des études de théologie, ça ne suffit pas à s'impliquer dans la société. Et on était dans un moment de l'histoire où l'Église devait s'ouvrir au monde. Et donc Francis, dans son rôle d'aumônier étudiant, a pris les moyens, effectivement, d'être en phase avec ce monde-là. Octobre 1972, Francis y est nommé. Il a alors 40 ans et est doté d'une énergie créatrice sans limite qu'il va déployer sur cette paroisse moderne pour faire face aux défis de son temps. C'est une paroisse qui est née en 67, donc juste avant les événements. C'était une paroisse essentiellement étudiante à l'époque, puisque se construisait le campus de Beaulieu. Et il y avait ici, assez rapidement, il y a eu 2 ou 3 aumôniers d'étudiants, donc qui étaient en lien aussi avec Francis, puisque Francis, lui, était au centre de Rennes, mais ce monde-là se connaissait. Est intéressante parce que c'est une église où il n'y a pas de piliers qui empêchent les participants de voir et de s'exprimer. Ici, on peut faire bouger les bancs comme on veut. Francis, il était en plein dans cette créativité-là. Et puis, son souci premier, je pense, c'est ça, c'est un des fruits du Concile. Enfin, dans la ligne du Concile, c'était vraiment de susciter des vocations de chrétiens actifs, acteurs, de faire communauté. Le mot communauté, c'est avec Francis finalement que les choses ont été mises en place, faire communauté. Et donc, très vite, avant même le départ de Louis Leblanc, alors qu'il n'était encore que vicaire, a germé l'idée d'une équipe pastorale élargie. Il y avait des tas de groupes acteurs dans cette paroisse, non seulement sur le plan liturgique, sur le plan catéchétique, mais aussi sur le plan du service des hommes,
action humanitaire, peut-on dire. Les années qui ont suivi 68, c'était l'après-concile, c'était un foisonnement à la fois de type liturgique et d'ouverture sur les réalités du monde. Il avait été très marqué, entre autres, par l'encyclique de Paul VI, Populorum Progressio, le développement des peuples, et il est rentré dedans. Quand il a été vicaire ici, on a lancé ensemble le mouvement 1% tiers monde pour un impôt de solidarité, qui est devenu plus tard Peuple solidaire, et il a accompagné cette expérience, cette mise en route. Les idées jaillissaient à longueur de temps. Il fallait qu'il exprime, et il exprimait de multiples façons, aussi bien par la peinture que par la poésie, que par l'homélie, que par la liturgie, que par l'action auprès des gens défavorisés. Enfin, bon, donc c'était vraiment un créatif. Mais moi, c'est vraiment le mot qui résume pour moi ce qu'il a été, mais créativité dans le sens de profusion de vie, et une profusion de vie enracinée, et ça l'a accompagné tout au fil de sa vie jusqu'à ses derniers moments, enraciné dans une profonde contemplation de l'Évangile et de la prière de l'Église. Il fait partie de ces gens qui ont vécu d'une manière très heureuse tout le bouillonnement du Concile Vatican II et de ce qui en est sorti après, et notamment la période, je dirais, heureuse de l'après-concile avec Post VI et son encyclique Populorum Progressio, le progrès des peuples. Ça a été assez fondamental pour lui, et je pense que ça a été un homme heureux de pouvoir mettre en œuvre les intuitions du Concile Vatican II. L'une d'entre elles, à laquelle Francis était le plus attaché, est la prise en compte de l'homme dans l'économie, qu'une des constitutions du Concile Vatican II a développée sous le nom de Populorum Progressio, largement rédigée par le père Lebray, à qui il vouait une grande admiration. Aux côtés de Paul Huet, prêtre des Côtes d'Armor, détenteur de la pensée du père Lebray et créateur d'économie et humanisme, ils élaborent un voyage au Brésil, le seul pays où des expérimentations dans ce sens sont mises en œuvre. Le Brésil a été pour nous un continent de l'espérance. On découvrait cette église qu'on attendait, nous, de tous les côtés, qu'on cherchait. Et puis là-bas, on découvre vraiment, alors à l'état tropical, hein, une église de communauté de base, très prophétique, avec des pasteurs extraordinaires comme Don Helder Camara, qui nous a bien guidés. Mais il n'y a pas que lui, on a rencontré, il nous a aménagé, le père Helder, des rencontres avec le cardinal Arns, avec les principaux évêques du Brésil. Alors il y a eu cette découverte-là. Il y a eu également les communautés de base. C'est peut-être ça qui m'a le plus marqué. Dans le milieu rural, là-bas, dans le nord-est, en pleine brousse, on a été reçus par des communautés rurales avec lesquelles on a prié, avec lesquelles on a beaucoup échangé. Et ensuite, on a rencontré des pasteurs, des théologiens. Ça a été très varié. Et lui, Francis, plus que moi, a rencontré des gens également à Sao Paulo, puis à Rio. Pour Francis, ça comptait. On a vu qu'une église, il n'y avait pas que l'église occidentale, il n'y avait pas que nos aspirations à une église plus prophétique, plus samaritaine. Là-bas, on l'a vu vivre. Et je crois que c'est ce continent, on dit, de l'espérance qui nous a marqués. D'autre part, il y avait quand même l'ambiance, on était 16, avec des jeunes qui découvraient un autre monde. Et un monde avec toutes ces tensions. On était encore dans la dictature militaire là-bas. Donc il fallait faire attention. Mais ça nous a profondément... On a été 3 semaines quand même. C'est un voyage vraiment qui nous a redynamisés. Il n'y a pas que l'église occidentale, il n'y a pas que l'église du Vatican. Il y a une église qui est possible, que nous avons vue là-bas avec le peuple. C'est tous les deux qu'on a monté ce coup, là, c'est le cas de le dire. Hein. Alors Francis a d'ailleurs publié un petit document que j'ai là, que j'ai retrouvé. Espérance du monde, vous voyez. Et ça, c'est Francis qui avait monté tout ça. Donc on a accueilli Don Helder Camara, qui venait prier sur la tombe du père Lebray. Toujours le même lien. Hein.
Le père Lebray était le conseiller théologique de Don Helder Camara au concile. Et il nous avait promis de venir prier sur la tombe du père Lebray. Alors on est allé chercher en avion à Paris. Il a été accueilli à l'aéroport de Rennes par Edmond Hervé et puis toute la municipalité. Don Helder, c'était une image extraordinaire de l'Église, quoi, hein, Don Helder. C'était l'avocat des pauvres, l'évêque des pauvres au Brésil, qui était vraiment prophétique et qui au Concile avait joué un rôle très important au Concile pour ouvrir l'Église aux problèmes du tiers-monde et l'ouvrir à... Alors nous, on pensait tout de suite en termes de théorie de la libération. Avec Don Helder, on s'est bien rendu compte que c'était ça, mais bien autre chose. Et le meilleur continuateur de Don Helder Camara, c'est le pape François. Francis a fait Saint-Augustin et Saint-Augustin a fait Francis aussi, parce que un prêtre, il est toujours amené à vivre des situations fortes, ne serait-ce qu'à travers l'enterrement d'un intellectuel, d'un homme exceptionnel ou d'un homme très simple ou un mariage limite ou un baptême où il faut se casser la tête. Donc finalement, il y avait aussi tout ce qui pouvait permettre à Francis de s'éclater. C'était une paroisse jeune. Je me rappelle, on était encore en train de peindre les salles, quoi, d'amener un Christ, enfin, la maison des jeunes, c'est San Francisco que ça a été créé. Il discutait avec Jean-Paul Jammes, enfin, c'était une époque, on en parle au passé, elle continue bien sûr d'une autre façon. En tout cas, ceux qui l'ont vécu savent que c'était une belle paroisse. 1987, Francis quitte Saint-Augustin, non pas pour une nouvelle paroisse, mais pour un nouveau défi. Doter l'église d'Ille-et-Vilaine d'une communication à la hauteur de son action. Il prend ses fonctions au moment où TV Rennes apparaît dans le paysage audiovisuel local. Bien que n'étant pas un expert de l'audiovisuel, il pressent la pertinence d'une présence chrétienne sur ce nouveau média. Il crée alors un magazine de reportage, Pèlerimage, avec le soutien du Jour du Seigneur et du magazine Le Pèlerin. Il réalise même les premiers numéros. Pour mener à bien cette nouvelle aventure médiatique, il convainc alors trois personnes très différentes dont il pressent leur complémentarité pour former la première équipe de production. Le périodiste André Triverio, réalisateur, la cadreuse Christine Gauthier et Benoît Vanoni, photographe, qui deviendra le réalisateur principal quelques années plus tard. Surtout, ce qu'il nous communiquait, c'était cet enthousiasme, effectivement. On avait tous l'impression que tout nous était accessible, je dirais. On a l'impression que c'est un homme pour qui tout était envisageable, qu'on n'avait pas de peur à nourrir particulièrement, qu'il fallait y aller, quoi. Donc c'était cette dimension-là, la dimension du prophète, quoi. Hein. J'y vais prêcher, même si c'est dans le désert, mais j'y vais, quoi. Il n'était pas retenu par des peurs quelconques, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, quoi. Donc de passer des heures à essayer d'imaginer les difficultés qu'on pourrait rencontrer ou les peurs que cela pourrait créer, non, on y va, quoi, et on ose. Mais s'il crée de toutes pièces un nouveau média, il s'attaque également à améliorer ceux déjà en place, comme les parutions papier, et conforte la radio locale chrétienne, Radio Alpha, à l'époque pas encore incluse dans le réseau des radios chrétiennes en France. Yann Béguin, tout jeune professionnel, formé aux arts graphiques, se met à la disposition de ce service en pleine restructuration pour 24 mois, pense-t-il, le temps de son objection de conscience. 25 ans plus tard, toujours en poste, il se rappelle l'effervescence de cette période où Francis multipliait les initiatives. Ce qui est intéressant dans le parcours de Francis, c'est qu'il a toujours cherché à coller un peu à l'actualité du monde des médias et aux évolutions de la société. Donc on est parti au départ avec l'association Chrétien Média d'un travail autour de la presse papier, donc avec la lettre de Chrétien Média, un petit bulletin qui sortait toutes les deux semaines et sur lequel aussi il m'a fait travailler quand j'ai été embauché. Et puis il y a eu aussi l'apparition
le lancement aussi de la présence en vidéo sur TV Rennes, mais aussi de vidéos institutionnelles pour le diocèse. Et puis, progressivement, cette lettre de Chrétien Média a pris de l'ampleur, au point qu'elle a été fusionnée avec le bulletin officiel du diocèse, qui s'appelait La Vie diocésaine, pour ne faire qu'un seul magazine, qui est devenu le magazine Église en Ille-et-Vilaine, que l'on connaît aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, effectivement, dans la personnalité de Francis, c'est sa capacité de relation, sa capacité d'être en relation avec des quantités de gens et des gens extrêmement différents. Et au sein du service communication, justement, on a eu la chance de voir comme ça passer énormément de monde. Parce que Maison de la Communication, quelque part, c'était aussi à un moment donné un peu le presbytère de Francis. Hein, c'est-à-dire que c'est là qu'il recevait aussi des jeunes couples, par exemple, qui se préparaient au mariage, hein, ou qui voulaient faire baptiser leur enfant. C'est là aussi où il y avait éventuellement le SDF qu'il avait croisé dans la rue une heure avant et qui venait réclamer un petit peu d'argent ou un logement pour la nuit. Voilà, il était au service vraiment de tout le monde, sans aucune distinction, et il faisait des liens entre tout ça. Donc il pouvait être dans une équipe de cadres chrétiens, par exemple, en réflexion, et puis demander ensuite à une de ces personnes-là de s'impliquer dans un projet qu'il allait lancer ailleurs, faire le lien entre un artiste, entre un autre prêtre, ou une équipe de laïcs qui avait une passion pour quelque chose. Enfin, il y avait vraiment des liaisons comme ça très étonnantes. Ça brassait toujours comme ça un dynamisme assez incroyable. Alors parfois on s'y perdait un peu, mais lui, Francis, il suivait toujours plusieurs idées à la fois, il s'y perdait pas. Et puis quand ça fonctionnait, ben ça fonctionnait. Quand quelque chose pouvait aboutir, des liaisons pouvaient, il arrivait à mettre en lien plusieurs personnes et que ça aboutissait sur un vrai projet, et ben c'était gagné. Et puis parfois ça pouvait ne pas aboutir, ne pas fonctionner. Et dans ce cas-là, eh bien c'est pas grave, il partait sur un autre cheval de bataille. Mais il y avait toujours un combat à mener. En 1999, au moment où ce défi que Mgr Julien lui avait lancé 12 ans auparavant, Francis semble l'avoir relevé, concrétisé par l'édification de la Maison de la Communication, marquant l'unification des médias d'église et leur synergie, il est fauché au moment où, avec Paul Huet, il réunissait à Josselin des forces vives pour réfléchir à la place de l'église face aux problématiques d'aménagement du territoire. Terrassé par un accident cardiovasculaire, il s'effondre dans les bras de son ami de toujours. On s'est retrouvés le lendemain matin de bonne heure, d'abord pour célébrer l'Eucharistie tous les deux ensemble. Et puis après, pendant le petit déjeuner, on a affiné nos rôles respectifs. On devait alterner. Le matin, c'était moi qui avais plutôt l'organisation en main. Et l'après-midi, c'était Francis. Et Francis s'occupait plutôt de l'accueil le matin. Vous voyez, on combinait tous les deux. L'accueil commence à arriver, tout était à peu près en place. Lorsque je vois Francis qui vient vers moi, qui se met à crier, j'ai mal au ventre, il a blémi et tout ça, puis il s'est écroulé dans mes bras. Alors ça, c'est un moment, pour moi, c'est le moment fort de ma rencontre avec Francis, j'ai cru qu'il allait mourir dans mes bras. Et je ne savais pas ce qui lui arrivait. Et la chance ou la grâce, c'est qu'un ami de Saint-Brieuc qui venait participer à la rencontre, était un chirurgien, est arrivé, dit « Paul, je m'occupe de lui ». Si bien que je n'ai pas eu à m'occuper de Francis, le docteur a tout de suite pris en main, a pris les décisions qu'il fallait dans une chambre et puis a évacué en urgence sur l'hôpital de Ploermel, et qui a fait que Francis a eu un sursis et sans ça il mourrait là. Hein. Commence alors la dernière période de sa vie qui durera 15 ans. Francis compose avec ses nouvelles capacités. Il a perdu sa fulgurance, sa vivacité. Il revient alors à la paroisse où il s'est révélé, Saint-Augustin. Et fait le maximum pour être encore au service de ses frères. En 2007, il fête son jubilé, ses 50 ans de ministère diocésain, puis se retire à la maison Saint-Thomas de Villeneuve. Honoré lors de l'anniversaire des 25 ans du magazine Pèlerimage en 2012 qu'il a créé, c'est paisiblement 3 ans plus tard que sa vie de serviteur de l'Église prendra fin. Dans mon parcours de vie, c'est quelqu'un qui forcément m'aura marqué par cet appétit, ce dynamisme, cette créativité qu'il portait en lui et qu'il communiquait autour de lui, quoi. Donc on était porté par son énergie. C'était vraiment une question d'énergie. Et puis il avait ce talent aussi, à travers tout ce qu'il nous proposait, les défis qu'il relevait, comme ceux de la télévision locale, du magazine,
aussi de nous révéler à nous-mêmes, quoi. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est quelqu'un qui, de par sa personnalité, ses qualités d'écoute, son extrême intelligence, sa culture, nous invitait à aller toujours un petit peu plus loin, à nous dépasser, à interroger les choses. Pour faire tout ce qu'il faisait, parce qu'il faisait beaucoup de choses, faut déjà être un homme bon. Et évidemment, chaque période a ses crises, ses urgences, et quand tu n'as pas le cœur fermé et que tu peux compter sur 36 personnes parce que tu les connais, tu peux faire face. Mais foncièrement, c'est je pense l'idée de se dire que celui qui est malheureux devant toi n'était pas appelé à être malheureux, et que ton rôle, c'est dans un climat fraternel, de lui redonner son goût de vivre, sa possibilité de vivre. Et à ce moment-là, si on a derrière soi plein d'amis, on peut trouver des solutions. Il était touche-à-tout, de manière assez géniale, mais toujours dans cette perspective d'aider les gens à un plus de vie en Dieu.